Allez, allez le jingle avant le départ. Allez, allez, allez. Top. Et c'est parti avec un très bon départ de Romain Gioff. Il n'a pas calé. Ah, voilà. C'est lui qui va faire le hold shot, j'ai l'impression. Mais oui, c'est bon. C'est Gioff, oui, c'est Gioff qui fait le hold shot. Mais il est dépassé, voilà. Non, pas encore. Alors là, les petits gars. Là, ça va y aller. Là, on a deux clients. Ouais, on a Romain Gioff en tête et Vivien Gonnet derrière. Allez, on va voir. Il va attaquer, je pense, direct. Alors, Romain Gioff s'était raté tout à l'heure parce qu'il avait calé sur la ligne de départ. On a eu un petit peu peur parce que ça déboulait derrière à toute vapeur. Il n'y a pas eu d'accrochage, j'ai rien eu. Et Romain Gioff, le régional de l'étape, est en tête avec Vivien Gonnet qui commence à surveiller déjà. Oui, il est derrière. Il y a une demi-seconde d'écart, un petit peu moins même. Ça klaxonne. Alors, s'il y a des fans de Romain Gioff, je sais qu'ils sont nombreux, c'est le moment de l'encourager. Allez, on les encourage. Allez, public, on les encourage. Parce que là, il y a besoin pour les fans de Romain Gioff. Allez, il est de chez vous, le Romain Gioff. Ben, il a le numéro 63, donc sa plaque d'immatriculation. Il est devant. Nigon, Brancy, Moine, Duvers, Malige, Martinez. Deux dixièmes. D'habitude, on a une seconde et demie. Allez, il passe, Julien Gonnet, non, au freinage. Non, il passe pas. Et je sais pas comment ils ont fait là parce que j'y mettais même pas un angle. Extérieur, il va recouper. Ah ouais, mais il est Romain Gioff là. Alors dis-moi, sur une piste aussi compliquée que celle-ci, avantage super motard ou pilote piste? Plus super motard. Oui, ça correspond à plus. Alors on va suivre. Allez, ça pour l'instant, voilà. Eh bien, les deux qu'on a devant, ce n'est pas des pilotes de supermotard, non. Puisque Romain Gioff, c'est un ancien pilote d'enduro qui a été un très très haut niveau international, et le deuxième, c'est un excellent pilote sur glace, champion de France à deux reprises déjà, Vivien Gonnet, et qui pour l'instant n'a pas trouvé l'ouverture. Pour l'instant c'est Romain Gioff, et là je suis déçu, je vois que tous les fans de Romain Gioff n'agitent pas les mains quand ils passent devant la butte publique. Il faut l'encourager, il en a besoin. Il va passer au freinage parce là-bas. Parce que derrière c'est chaud patate. Il va passer au freinage au bout là-bas. Là. C'est pas fait. Bon, si Romain ferme toutes les portes, ça devrait pas passer. Ouais, mais faut qu'il ferme les fenêtres aussi. Ouais. Les portes, fenêtres. Là, faut la baie vitrée. Ah oui, il faut tout fermer, même l'intérieur. Ouais, même le portail du garage et tout et tout. Ouais, ils sont touchés. Voilà, mais c'est pas méchant, ils s'aiment beaucoup, donc ils se touchent un peu. Allez, on a déjà fait mi-course, hein, je vous dis ça passe vite. Et là, je vais vous voir encourager lorsqu'il va passer devant vous, le pilote de la région. Il est chez lui, encouragez-le, Romain Gioff. Il va essayer là, Vivien Gonnet. Ah, il a perdu un petit peu de terrain, Vivien Gonnet. Il est à 4 dixièmes, il était à 2 dixièmes tout à l'heure. Il a 4 dixièmes maintenant, mais c'est là où il revient, Vivien Gonnet. Là, c'est là que Luc Sebarna, la puissance parle de Luc Sebarna sur la gaz-gaz. Ouais, mais parce qu'il va au freinage extérieur, mais après, si Romain reste sur sa trace, c'est impossible de passer. Il faut vite bloquer l'autre côté pour éviter qu'il vienne mettre son museau à l'intérieur. Là, le seul moment, c'est si Romain se laisse embarquer sur l'extérieur, il pourra peut-être recouper. C'est bon. Là, il va fermer la porte dans le virage de l'arrivée. Voilà qui est fait. Et Romain Gioff est toujours devant. Allez, Romain. Romain Gioff est toujours devant. Et c'est Jonathan Mongarnik qui a le record du tour avec la moto excellent. Électrique. Génial. Bon, ça lui rapporte pas de points. Quatrième, Jonathan. Quatrième. Extraordinaire. Allez. Il va rester encore. Il reste deux tours. Là, comment il rentre dans le droite. Alors là, Romain Gioff, il est en train de tout donner là. Et là, c'est une grosse glissade, la de Vivien Gonnet qui a perdu 2-3 dixièmes. Alors que le pilotage de Romain Gioff est toujours aussi incisif. Et Vivien Gonnet qui revient dans cette partie du circuit là-bas. Luc Sebarna de Vivien Gonnet qui revient sur la gaz-gaz de Romain Gioff dans la partie du bas du circuit. Là, à l'intérieur. Là, s'il arrive à se glisser. Là, ils sont roue dans roue. Ils tentent l'extérieur une nouvelle fois, Vivien Gonnet. Allez, il recoupe. Non, ça passe pas. C'est impossible. Il n'y arrive pas, il ne trouve pas l'ouverture. Et Romain Gioff continue à fermer. On va rentrer dans le dernier tour dans quelques instants. Toujours à l'avantage de Romain Gioff. Allez, on encourage Romain Gioff. Si. Attention le freinage à l'intérieur. Allez. Ah, il est passé. Non. Oh là là là, mais comment ils font là? S'il vous plaît, les commissaires, drapeau bleu, s'il vous plaît. Attention, ils vont revenir. Allez, on va doubler deux pilotes. Un coup à droite, les autres, ils vont dire ça y est, ils ont collé une bronchite aux pilotes qu'ils viennent de dépasser. Ça n'a pas changé. Romain Gioff est toujours devant, toujours avec le record du tour de Jonathan Mongarni. Et Romain Gioff peut aller la chercher, mais il va tout donner dans les deux derniers. Allez, Romain. Ça glisse là pour Vivien Gonnet. Magnifique. C'est des dixièmes qui s'envolent, mais il revient au contact, il revient à côté de Romain Gioff là dans la dernière. La chute de Vivien Gonnet, il en a mis tellement. Et on assiste, mesdames, messieurs, à un retournement de situation extraordinaire, puisqu'après 26 victoires, bravo, et voilà Romain Gonnet, Romain Gioff qui s'impose, j'ai trouvé bon Romain Gonnet. Allez, deuxième.
Et Vivien Gonnet, et ben voilà, il n'aura pas gagné 27 victoires, il n'aura eu que 26 victoires d'affilée. Eh oui. Pas mal quand même, hein. Oui, oui. C'est pas mal quand même. Et je crois qu'on peut les applaudir dans le tour de décélération. Bigon, pareil, l'homme du pays du coin. Alors, Bigon, Brancy. On donne le classement quand même. Montgarny. Bigon, Brancy, Montgarny, Duvert. Duvert. Gonnet, 6ème. Moine, Vanchang. Malige, ouais, Roche, Martinez, Dubac, Vala, Dardillon, Pidou, Montgarny, le petit jeune, bah, Véronèse et Plisson. Magnifique. Bravo, bravo. Ah, génial. Alors là, Romain, là, il doit être ouais. aux anges.